Hello tout le monde, c'est Rocky. Aujourd'hui, petite vidéo sur le camouflage forgé de la BP50, ce nouveau fusil d'assaut de la saison 2 de Warzone 3. Donc, le camouflage forgé, le défi pour le réaliser, c'est éliminer 3 opérateurs avec un seul chargeur 15 fois. Avant, ce défi était buggé, comme j'avais fait énormément de vidéos là-dessus, vous le savez peut-être, mais en fait, à l'époque, c'était buggé, c'est-à-dire que par exemple, quand il disait de le faire avec un seul chargeur, il ne comptabilisait pas le fait que l'on mourait ou pas entre-temps. Donc ça facilitait le défi. C'est-à-dire que par exemple, vous tuiez 2 mecs, vous mourrez, quand vous réapparaissez, vous en tuez un troisième, et ensuite vous rechargez, et bien ça validait quand même comme étant un seul chargeur. Malheureusement, ce défi, donc en tout cas pour la P50, et peu, je pense, pour les autres armes aussi, a été patch. Ça ne marche plus comme ça, donc il faut véritablement faire 3 éliminations avec un seul chargeur et donc sans mourir. Voilà. Donc moi, le seul truc que la seule astuce que je peux vous proposer, en tout cas c'est ce qui m'a permis de le faire le plus rapidement possible, c'est d'aller en mode hardcore. Et quand vous allez en mode hardcore, vous faites donc le filtre et vous sélectionnez uniquement Mosh Pit de petites cartes. Ce qui fait que du coup, grosso modo, vous allez rapidement pouvoir faire vos séries de 3 kills sans mourir. Et en n'oubliant pas, au bout des 3 kills, de bien recharger pour valider un seul chargeur. Ça sert à rien de faire 4, 5, 6 kills, de faire 2 séries d'affilée. Il faut toujours recharger. 2 séries ne seront pas validées en fait. Un rechargement ne valide qu'une série. Donc ça sert à rien, une fois que vous avez fait vos 3 kills, d'en faire plus. Recharger. Et donc du coup, le mosh pit de petites cartes, grosso modo, c'est Stas House, Rust, Titment et Mid. Et franchement, moi je trouve que c'est la meilleure solution pour valider rapidement ce défi. Voilà, j'espère que ça va vous aider et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.